Take you up in boom, boom, bow, shaboom, boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Quand tu étais jeune, le napolitain. Donc petite histoire, non, le napolitain n'est pas né à Naples ni en Italie. Il prend ses origines en Amérique. Ceci est tout à fait normal. Donc à la base, en fait, le napolitain, il était appelé tranche italienne, spumone or, ou ice cream. Voilà, c'était en fait un dessert glacé tranché en trois couches. Et en fait, après, les ingénieurs français ont repris ce dessert et ils l'ont appelé tout simplement napolitain. Ils ont coupé en fait le nom tranche napolitaine en napolitain que nous connaissons aujourd'hui dans le commerce. Donc je vais t'apprendre à le réaliser, donc j'espère que la recette elle te plaira. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je te laisse alors avec la suite, je sais pas quoi dire, j'ai perdu mon souffle. Donc on se retrouve juste après. Dans un premier temps, tu vas séparer les blancs des jaunes. Dès que c'est fait, tu vas laisser les blancs de côté, tu vas t'occuper des jaunes à présent, tu les mets dans un grand saladier avec les deux sucres et tu vas les fouetter jusqu'à ce que ça blanchisse. Donc c'est-à-dire que tu vas fouetter, 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 fouetter encore et encore jusqu'à ce que le mélange y soit un petit peu plus blanc. Tu vas ajouter ton beurre fondu, tu continues de fouetter délicatement sans en foutre partout bien sûr. Puis tu vas ajouter la farine en trois fois, il n'y a pas besoin de la tamiser, tu vas voir la pâte elle va s'épaissir donc il n'y a vraiment pas besoin. Tu vas ajouter aussi ta petite cuillerée de bicarbonate et tu continues de fouetter. Dès que c'est fait, tu vas t'occuper des blancs que tu as mis de côté et tu vas les fouetter jusqu'à ce qu'ils soient bien en neige. Donc là, tu les fouettes, on va dire, sans sel, sans sucre, sans rien. Il faut vraiment qu'ils soient bien montés, bien fermes en fait, tout simplement. Donc dès que c'est fait, tu vas les incorporer en trois fois à ta préparation précédente. Donc la première fois, tu peux t'utiliser du fouet vraiment pour détendre ta pâte. Puis après, tu remets le deuxième tiers. Et là, tu vas incorporer avec la maryse. Comme ça, ça évite à ce que tu casses les blancs en neige. Et que tu aies une préparation qui soit un peu, on va dire, mousseuse. Tu incorpores le troisième tiers. Puis, dès que c'est fini, tu vas séparer ta préparation en un tiers, deux tiers. Donc, dans le plus petit bol, tu vas y mettre une cuillère à café de cacao et tu vas mélanger. Tu vas prendre un moule à cake, tu vas y mettre la partie cacaotée. Donc tu vas essayer de l'étaler, on va dire homogéniquement, je sais pas si ça se dit, dans le moule pour vraiment que ce soit la même épaisseur. Et tu fais la même chose avec la pâte nature. Donc tu essayes à ce que en fait ce moule il soit deux fois plus grand que ton moule en fait à chocolat, parce que tu vas voir pourquoi après. Et essaye vraiment à étaler vraiment la pâte de manière homogène, parce que j'avoue que mon gâteau il n'était pas très droit et j'avais pas fait attention forcément à comment j'avais étalé la pâte blanche. Ça part au four pendant 12 minutes à 180 degrés. Donc en attendant que le gâteau y chauffe, bah on va faire notre ganache, donc ce qui est entre les gâteaux. Donc tu vas faire chauffer ta crème liquide sur le feu jusqu'à ce qu'il y ait une petite ébullition et tu vas la verser en trois fois sur le chocolat. Donc tu laisses un petit peu la crème chauffer au-dessus du chocolat pour qu'il fonde le plus rapidement possible. Puis après tu vas faire des mouvements circulaires du centre vers l'extérieur pour, on va dire, émulsionner en fait tout simplement et ne pas incorporer d'air dans ta ganache. Tu vas voir qu'au fur et à mesure elle va être plus lisse et plus brillante. Donc après tu peux le faire avec du chocolat au noir, du chocolat au lait. Moi je préférais du chocolat au lait parce que bon, le chocolat noir... Voilà, je préfère le chocolat au lait tout simplement. Donc j'ai pris du chocolat au lait.
Donc tu incorpores bien ça en 3 fois. Dès que c'est fait, tu vas laisser reposer ta ganache au minimum 1 heure au frais. Tu vas voir qu'elle prend assez rapidement. Et puis, dès que tes gâteaux sont refroidis, tu vas les couper de telle sorte à ce qu'ils soient tous droits, en fait, qu'ils aient la même épaisseur à peu près et qu'il n'y en ait pas un qui ait une grosse bosse quoi, en plein milieu. Parce que bon, sinon, c'est un petit peu raté. Et donc, la partie blanche, tu vas la couper de telle sorte à ce qu'elle ait la même taille que la partie cacaotée. Donc, comme tu vois en vidéo, il y aura une petite bande voilà, qui va être un peu pour moi, en fait, pour le ventre direct. J'avoue que je l'ai mangé direct après que je l'ai coupé. Ouais, c'était mal, mais bon, c'est bon. Donc, dès que tes 3 parties, elles sont faites, tu vas voir que voilà, on voit clairement comment, à quoi va ressembler voilà, le napolitain. Donc, normalement, ta ganache, elle devrait être prête. Le temps que tes gâteaux refroidissent, ta ganache, elle devrait être largement prise au frais. Et tu vas l'étaler assez généreusement, en fait, entre les couches pour que tu aies une bonne épaisseur quand même de chocolat, parce qu'il faut que ce soit gourmand quand même. Donc, tu les empiles en quinconce de couleurs. Donc, blanc, chocolat, blanc. Puis entre les 2 couches, voilà, tu réétales une partie de ganache au chocolat et tu refermes le tout. Puis après, tu vas filmer au contact cette partie et tu vas la laisser prendre au moins 1 heure à 2. Donc dès que l'heure elle est passée, tu vas voir que ta préparation elle est beaucoup plus solide, donc ce qui va t'aider à couper correctement ton gâteau et à ce que ce soit vraiment bien droit sur les côtés. Parce que avant tu pouvais pas le faire. Enfin, je te conseille pas. Je te conseille vraiment d'attendre que la ganache elle soit vraiment bien dure au frais pour que tu puisses vraiment sectionner les côtés et que ce soit bien propre. Et donc après, tu vas mettre le glaçage au-dessus que tu auras réalisé avec 100 g de sucre glace et à peu près 1 ou 2 cuillères à soupe de lait. Tout dépend si tu veux que ton glaçage il soit plus ou moins liquide. J'avoue que je l'ai fait un petit peu épais, mais bon, c'est pas grave, du temps que ce soit fin. Et puis si tu es quelqu'un de bien, tu auras des vermicelles en chocolat chez toi. Moi j'avoue que j'ai voulu faire un napolitain sans vermicelle en chocolat, donc j'ai juste râpé en fait du chocolat noir avec un économe et ça fait très très bien l'affaire. Et bien voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai l'impression d'être un peu en mode serveuse comme ça. Je sais pas qui je vais le servir, à mon ventre sûrement. Donc voilà, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quelque chose à la fin de cette vidéo que tu as aimé, que tu n'as pas aimé, que tu veux la partager, que tu veux l'essayer. Bref, dis-moi. Si je dois partir ou pas. Dis-moi. Oh. Allez, moi je te laisse avec cette vidéo. Bah oui, parce que c'est la fin. Donc je te dis à la semaine prochaine. Sur ce, ciao. Voilà, ceci est tout à fait italien par contre. Ciao.